그거 있죠. น้องยมุนยมเรศประกาศมันต่อก็จำนาการในเตวิธีสำนักกาตามกาลุพิได้บานกรุงตุกในโหดอปีนี้คือที่วิธีการเตยตะบานเตยลือกรมเมตวีน้องมุกน้องนางดังมาดังรอดปีนี้น้องกาดะไอกษาจะปุ่มมุกองยมุนยมเรศดิฉันได้เอาอย่างแรกสมพระดอลวิติกาตุสหมิตรวินอมุกดำนางดาวมดังรอดไปวันนี้นงกาบินออกกะนงกาได้กษาจะปลุกมกองอย่างแรกเปียปอนตัวนึงปรบปรบปะกรมนิการปิจีสมจึงมิตรวินเอลิซาเบธOui, Monsieur le Président. Bonjour, bonjour, Madame et Messieurs les juges. Bonjour, mes confrères et bonjour à tous. En tout premier lieu, et avant de donner la parole à mon frère Olivier Baroun, qui s'en sort sur les documents, dans la mesure où il y a, semble-t-il, une discussion sur les constitutions de partie civile, je demande à la Chambre la possibilité de pouvoir faire quelques observations pendant quelques minutes sur ces constitutions de partie civile, parce que c'est un problème extrêmement important.ព្រោះថាបញ្ហានេះមានសារៈសំខាន់ណាស់ហើយចំពោះយើងវាមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងខ្ញុំមិននិយាយអំពីមេធាវីទេគឺផលប៉ះពាល់ទៅលើដើមដឹងរដ្ឋបាលនេះខ្ញុំនឹងចំណាយពេល 2-3 នាទីនិយាយអំពីសារៈសំខាន់ក្នុងការដាក់ឯកសារនេះចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះជូមេស៊ីមីស៊ូលប្រេស៊ីដង សូមអរគុណលោកប្រធានខ្ញុំវាស៊ីដេត្រលេប្លូLa plus brève et concise possible. Je voudrais d'abord indiquer que mes observations sont uniquement relatives aux constitutions de partie civile. J'exclus, en ce qui me concerne, les déclarations d'autres personnes, les déclarations que DICICAM a pu récupérer, les déclarations de témoins. Je ne parle que des constitutions de partie civile.Je voudrais indiquer en premier que nous avons versé ces constitutions au débat au mois d'avril, au mois de juillet et au mois d'octobre sur nos listes. Il n'y a jamais eu d'objection, de contestation de ces pièces à ce moment-là. Je dirais ensuite que parmi 3860 déclarations de partie civile, constitutions de partie civile,Nous en avons sélectionné 14 aujourd'hui sur le contexte historique. C'est dire que nous avons fait une sélection sur la pertinence. C'est dire aussi que nous n'avons pas l'intention d'encombrer le débat avec de multiples déclarations de partie civile. Je voudrais dire ensuite que lorsque le problème s'est posé pour la première fois le 30 janvier, il y a eu d'abord une difficulté relative à la traduction. Et la Chambre nous avait indiqué alors qu'il fallait que les documents soient présentés au moins en deux langues. Puis, le lendemain, dans son mémorandum du 31 janvier, la Chambre a indiqué que si la partie pertinente du document concerné est brève et peut être aisément traduite à l'audience, la Chambre pourra autoriser que cette partie soit présentée. Sur la Chambre, c'est le cas aujourd'hui. Le 30 janvier, une autre difficulté avait été posée, qui était la suivante. Il ne fallait pas produire des constitutions de personnes qui pouvaient être entendues. J'indique à la Chambre que sur le contexte historique, il n'y aura pas d'autres parties civiles entendues que les deux premières. Par conséquent, les documents que nous présentons aujourd'hui ne sont pas concernés par cette difficulté.
Hier, mon confrère de la Défense, a indiqué qu'il pouvait y avoir une difficulté par rapport à la pertinence de ces documents et à la recevabilité des parties. Je crois que sur la recevabilité, le problème est tranché. Sur la pertinence, je m'étonne qu'on puisse, a priori, sans avoir lu les documents, en contester la pertinence. Aujourd'hui, à la lecture du mail que nous avons reçu de Mme la juriste hors classe, il pourrait y avoir, semble-t-il, une difficulté quant à la force probante très limitée ou inexistante de ces déclarations, de ces constitutions de partie civile. Alors, quant à la fiabilité, quant à la force probante, comment peut-on, a priori, décider que 3860 constitutions de partie civile n'auraient pas ou peu de force probante? Comment peut-on décider alors qu'elles sont pour la plupart en Khmer et que beaucoup d'entre nous ne parlent pas le Khmer? Il faut donc d'abord les dire, les traduire et ensuite apprécier. Les écarter dans leur ensemble ne nous paraît injuste et inéquitable. Ce sont des parties au procès qui, comme les accusés, font des déclarations dont chacune de ces déclarations est unique. Les constitutions que nous allons présenter doivent être traitées une par une sur chaque sujet, à commencer par le contexte historique. Les écarter au motif de leur force probante ou nulle, ou au motif de leur non-fiabilité, c'est donner bien peu d'importance au travail des juges d'instruction et de la chambre préliminaire qui, en application de la règle 23 bis de notre règlement intérieur, ont considéré qu'ils étaient convaincus que les faits allégués au soutien de la demande des parties civiles sont établis sur la base de l'hypothèse la plus probable. Ils ont donc, eux, considéré que les propos des parties civiles avaient une force probante suffisamment sérieuse de leur point de vue. Écarter globalement les constitutions de parties civiles serait, de notre point de vue, nécessairement arbitraire, parce que, je l'ai déjà dit, mais je le redis, chaque déclaration est unique. Les écarter, c'est aussi se priver d'un élément de preuve extraordinaire dans ce dossier, vraiment important, puisque si l'on peut considérer qu'une seule constitution, une seule déclaration, n'a pas en elle-même une force probante suffisante, il est clair que la répétition des déclarations, la répétition de faits, la similitude de ce que peuvent raconter les parties civiles dans un endroit ou dans un autre, par exemple sur des déplacements, par exemple sur un travail forcé, ou par exemple sur un contexte historique, le croisement et la similitude et la répétition sont justement un élément de force probante. Il ne faut donc pas les écarter. Il faut en entendre quelques-unes, à tout le moins. Les écarter également au prétexte de leur peu de force probante, c'est nier leur place de partie civile dans ce procès. Les parties civiles ne sont pas là seulement pour être assises silencieusement. Elles ont des droits, et en particulier un droit de parole exactement comme celui des accusés. Elles ont droit de contester, d'évoquer des questions, d'évoquer des faits, de questionner, de demander, de faire appel, et surtout, en premier lieu, de parler. On ne leur fait pas de cadeau en leur permettant d'être ici. Elles ont des droits et des devoirs, et ces droits doivent être respectés.
J'observe que la Chambre de Trébien entend des parties civiles qu'elle souhaite entendre. C'est une possibilité. Et je souhaite que la Chambre en entende le plus grand nombre. Nous savons aussi qu'il est impossible pour la Chambre d'entendre toutes les parties civiles. C'est une évidence. Il y a une autre forme possible, c'est celle que nous proposons aujourd'hui, qui est de lire des déclarations particulièrement pertinentes contenues dans ces constitutions de partie civile. Ne pas les entendre ou considérer qu'elles n'ont pas peu d'importance, c'est tout simplement les rendre silencieuses, c'est tout simplement considérer qu'elles sont en réalité une non-partie au procès. C'est nier leur qualité de partie au procès en face des accusés. Et c'est tout simplement faire un procès sans partie. Nous donnons la parole aux accusés ici, plutôt, excusez-moi. La Chambre donne la parole aux accusés ici, et la Chambre doit donner la parole aux parties civiles, et c'est ce que nous demandons. Donc nous demandons à nouveau à la Chambre aujourd'hui d'abord de permettre la lecture des extraits qui ont été soigneusement choisis, qui sont pertinents, et qui, parce qu'ils seront lus aujourd'hui, permettront à chacun de mesurer la force probante. Et nous demandons à la Chambre, bien sûr, de nous accorder la possibilité de choisir par la suite sur chaque sujet qui sera évoqué quelques parties civiles dont nous lirons les extraits. La Chambre aura, bien sûr, la possibilité, dans le secret de son délibéré, d'apprécier la force probante de ce document, mais en toute hypothèse, elle ne peut pas l'écarter a priori, sauf à priver, purement et simplement, les parties civiles de leur place dans ce procès. Je vous remercie, je laisse la parole à mon représentant. Je vous remercie. ដែលពួនទៅនឹងសកម្មភាពរបស់កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនីសម័យនោះក្នុងបរិបទប្រវត្តិសាស្ត្រដូច្នេះនឹងមិនមានអ្វីនឹងចំណាយពេលច្រើនរបស់អង្គជំនុំជម្រះនោះឡើយហើយដើមបណ្ដឹងរដ្ឋវិនីក៏យល់ផងដែរថាកន្លងមកលោកមកដល់ពេលនេះពាក់ព័ន្ធនឹងបរិបទប្រវត្តិសាស្ត្រ ភាគីទាំងអស់ជាពិសេសកម្ពុជាបានដាក់ផុសតាំងជាច្រើនរួចមកហើយដូច្នេះដោយយល់ទៅលើទួនាទីរបស់ដំបងរដ្ឋវិនីដែលគ្រប់គ្រងព្រះសាស្ត្រព្រះញ្ញាដំបងរដ្ឋវិនីគ្រាន់តែលើកការសេចក្តីប្រកាសរបស់ដំបងរដ្ឋវិនីមួយចំនួនតែប៉ុណ្ណោះដែលមានព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការ
ដើម្បីបញ្ជាក់បញ្ហានេះឲ្យបានកាន់តែច្បាស់ចំពោះក្រុមសមិទ្ធិវិនមុខតំណាងដើមរងរដ្ឋវិនីយើងបកគលភិរៈជូនទៅលោកចៅក្រមសង្មាក់ដែលប្រើភាសាបារាំងដូចគ្នានឹងក្រុមមិទ្ធិវិមួយចំនួននៃដើមរងរដ្ឋវិនីសូមអញ្ជើញលោកសង្មាក់Oui, merci, Monsieur le Président. La Chambre vient d'entendre les explications fournies par les co-vocats principaux des partis civils. La Chambre a tout d'abord une observation générale à faire, c'est que n'entend pas imposer le silence aux partis civils et que le problème n'est pas de cet ordre-là. Le problème est un problème beaucoup plus général, et qui est celui de l'utilisation de déclarations de quelques personnes que ce soit, qu'elles soient témoins, qu'elles soient parties civiles, dans le cadre d'un procès, lorsque ces déclarations sont utilisées comme des éléments de preuve. Et la Chambre va rendre prochainement une décision à ce sujet et la Chambre a voulu attirer l'attention des parties sur le fait que, bien évidemment, il conviendra de rendre cette décision en conformité avec la jurisprudence internationale et notamment avec les droits des accusés et le droit des accusés d'obtenir la possibilité d'interroger les témoins à charge. Voilà, donc c'est ce que nous voulions souligner aujourd'hui. Il ne s'agit pas d'un problème, encore une fois, qui est spécifique aux parties civiles. C'est un problème qui est beaucoup plus général. Et nous ne remettons pas non plus en cause la recevabilité des parties civiles, décision qui maintenant est définitive. Mais ce n'est pas parce qu'elles sont recevables que leur déclaration acquiert une valeur probante supérieure à celle d'autres témoins. ឯកសាររបស់គាត់មានតម្លៃជាផុសតាំងលើឯកសាររបស់អ្នកផ្សេងនោះទេគឺមានតម្លៃស្មើស្មើគ្នាមិនសូមបកគលវេទិកាទៅក្រុមសមិទ្ធិវិនៅមុខតំណាងដើមរងរដ្ឋនេះដើម្បីមានឱកាសក្នុងការបង្ហាញឯកសារផុសតាំងនៅចំពោះមុខអង្គជំរះលោកប្រធានសូមបកគលសិទ្ធជូនលោកអូលីវីបាហ៊ូនជាដំបូងហើយបន្តមកសូមបកគលសិទ្ធជូនលោកសំសកុងសូមអរគុណបាទសូមអញ្ជើញមេធាវីតំណាងដើមរងរដ្ឋរំលីដែលបានទទួលសិទ្ធBonjour, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges, chers confrères, Mesdames, Messieurs. Aujourd'hui, la présentation des documents que je vais effectuer concerne exclusivement M. Khieu Somphon.Je précise que tous ces documents ont été communiqués depuis longue date, conformément à la procédure que vous nous avez imposée, que mes confrères donc ont eu la possibilité d'en prendre connaissance, que par ailleurs il s'agit pour l'essentiel de documents fondamentaux dans le travail effectué par M. Khieu Somphon et que par conséquent, ils ont certainement connaissance de ces documents depuis très longtemps, même avant que la procédure ne commence. Que mon temps pipé n'était pas dans le cas de mon temps de la tête. Je tiens à préciser que avant de me présenter devant vous et devant M. Khieu Somphon, dès le mois de novembre 2011, nous avons organisé l'équipe MAAD que je représente, une réunion des parties civiles à Kampong Cham. 200 personnes étaient conviées. Depuis plus de 3 ans et demi, nous rencontrons ces parties civiles et justement,
pour répondre à l'attente de cette audience. Nous les tenons informés de tout ce qui se passe. Nous leur montrons des vidéos et nous leur communiquons certaines informations. Elles sont particulièrement attentives, suivent régulièrement ces réunions, simplement au mois de novembre. Sur les 200, 20 d'entre elles étaient absentes, 2 décédées, les autres malades, souffrantes, et ne pouvaient pas participer. Elles sont très attentives et demandent beaucoup. Lorsque nous leur avons diffusé les informations, la première question qui nous a été posée concernant monsieur Khieu Samphan a été la suivante. Les Cambodgiens, comment a-t-il pu nous faire ça? សូមអរគុណលោកវិធានខ្ញុំសូមលោកវិធានមេត្តាប្រកបមេធាវីដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីពិនិត្យទៅលើការងារដែលថាអ្វីដែលជាកម្មវត្ថុនៃការប្រជុំនៃការបើកសវនកម្មសម្រាប់ពេលនេះតើតាមបីបង្ហាញផុសតាងឬមួយក៏ជាការចោតប្រកាន់ដែលរបៀបជាការ ធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានឬជាការថ្លែងបើកដែលយើងបានធ្វើកន្លងរួចមកហើយពីព្រោះនៅក្នុងការបង្ហាញឯកសារនេះពេលនេះទិសដៅដើម្បីបង្ហាញពីឯកសារដែលលោកយល់ថាពាក់ព័ន្ធប៉ុន្តែអ្វីដែលលោកមេធាវីដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីបានបង្ហាញបាញ់មិញនេះមិនមែនជាឯកសារទេគឺជាសម្ដីដែលលោក គិតថាដកស្រង់ពីកន្លែងប្រជុំកន្លែងណាពីនៃដែលមិនមែនជាឯកសារនៅក្នុងសំណុំរឿងរបស់តុលាការសូមអរគុណបាទការកត់សម្គាល់របស់ក្រុមមេធាវីការពារក្តីលោកខៀវសំផនត្រឹមត្រូវសូមលោកមេធាវីតំណាងដើមរឿងរដ្ឋប្រវេណីទទួលសិទ្ធសូមកំហិតនៅការ ដែលថ្លែងការរបស់លោកក្នុងក្របខ័ណ្ឌដូចដែលណែនាំរបស់អង្គជំរះហើយនឹងក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃការដាក់ឯកសារចំពោះមុខអង្គជំនុំជំរះជាវិងការប្រើវិធីការនេះដើម្បីដែលថ្លែងការក្នុងនៃបើកដែលសន្តានបើកការចោតប្រកាន់ឬក៏ដែលស្ថានភាពអ្វីមួយផ្សេងទៀតដែលវិភាគទៅដល់បញ្ហាកំហុសរបស់ជនជាប់ចោត C'est entendu, Monsieur le Président, et mon confrère est allé bien vite. C'est vrai que mon introduction peut-être était un petit peu longue. Elle ne comporte aucune accusation. C'était juste pour que M. Khieu Samphan puisse me situer par rapport au reste de la Cour qui comprenne bien que c'est la voix des partis civils. Seulement ça. Je commence donc par le premier document, qui est en fait une clôture de mon introduction. Document E3/122. L'ARN français 006-13-206. ERN cambodgien 00-34-47-039-00-34 70-40, ERN anglais 00-00-930. Je dis bien, c'est la fin de mon introduction. Il a été posé une question
à M. Khieu Samphan, que signifie pour vous la justice? Monsieur Khieu Samphan répond, je ne crois pas que la justice existe dans ce monde. Tout le monde ne cherche qu'à gagner. Si la justice existait, je ne serais pas amené au tribunal. En effet, je n'ai cessé de travailler pour le bénéfice de mon pays sans jamais tenir compte de la fatigue. Je n'ai jamais été compromis dans la corruption. Et puis, je n'ai rien reçu, même pas un centime de mon travail ou de Pol Pot. Lorsque je constatais quelque chose d'erroné, je la dénonçais tout de suite. Mon pays et mon peuple m'en rendront justice. Pièce E1/21.1. ERN français 00-76-19-47. ERN Khmer 00-76-02-92. ERN anglais 00-76-18-42. Il s'agit de la transcription de l'audience du 13 décembre 2011. Avant de rentrer au pays, Yang Sari m'a confié la responsabilité du cercle. Et j'imagine qu'à l'époque, il n'avait pas d'autre choix. Les plus convaincus et les plus actifs, tels que Ok Sakum et Son Sen, étaient tous rentrés au pays déjà. D'autres membres anciens, comme Sukan, terminaient sa médecine à Reims. Il n'y a donc personne qui pourrait reprendre le cercle, uniquement moi, et j'ai accepté de le faire. Je précise que nous situons avant 1959. Ceci pour démontrer déjà l'implication politique de Monsieur Khieu Samphan. Document E1/21.1. ERN français 00-76-19-52. ERN Khmer 00-76-02-95. Anglais 00-76-18-46-00-76-18-47. Il s'agit toujours du compte-rendu de l'audience du 13 décembre. Monsieur Khieu Samphan parle alors du journal L'Observateur. Nous nous situons donc dans le contexte historique de son retour de France. Nous sommes en 1960-1961. La rubrique du magazine, qui était la plus appréciée des lecteurs, était appelée « Les coins de Phnom Penh ». On y trouvait des récits vivants qui dépeignaient la vie quotidienne des gens ordinaires, comme les cyclopousseurs, les transporteurs d'eau, les cochers qui transportaient des légumes au marché avant l'aube. អ្នកបកប្រែមិនអាចបកប្រែតាន់ទេ Merci monsieur le président. Je reprends donc le texte. Nous nous situons donc après 1960, nous parlons de l'Observateur, le journal fondé par M. Khieu Samphan. Il indique la rubrique du magazine qui était la plus appréciée des lecteurs était appelée « Les coins de Phnom Penh ». On y trouvait des récits vivants qui dépeignaient la vie quotidienne des gens ordinaires, comme les cyclopousseurs, les transporteurs d'eau, les cochers
qui transportaient des légumes au marché avant l'aube, les loisirs des travailleurs qui s'assemblaient par petits groupes pour boire du vin de palme autour des vendeurs, autour des jardins publics, à l'est du monument de l'indépendance. Une zone qui était illuminée par des bougies. Ce paragraphe est cité. ខ្ញុំសូមអរគុណលោកប្រធានហើយខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតឲ្យលោកមេធាវីដើមដឹងរដ្ឋវិនីកំណត់ថាតើឯកសារដែលលោកនិយាយនេះថានឹងឯកសារណាមួយពីព្រោះលោកបានបញ្ជូនឯកសារមកឲ្យខាងភាគីហ្នឹងពីម្សិលមិញហើយ អ្វីដែលលោកបានលើកមែនគាត់បានចង្អុលបញ្ជាក់ទៅលើឯកសារទាំងអស់នោះទេតើឯកសារដែលលោកនិយាយនេះស្ថិតនៅក្រៅពីបញ្ជីនេះទៀតឬមួយក៏ជាឯកសារនៅក្នុងបញ្ជីនេះហើយក្នុងលេខប៉ុណ្ណាដែរបាទសូមអរគុណមេធាវីអូលីវីយេបាហ៊ុញTous les documents figurent dans la liste. Il s'agit de l'audience du 13 décembre 2011, à laquelle vous avez sûrement assisté. សូមឲ្យលោកបញ្ជាក់ថាតើស្ថិតនៅក្នុងលេខរៀងទីប្រមាណនៃបញ្ជីរបស់លោកដែលលោកដាក់ឲ្យនេះបាទសូមអរគុណJe le trouve pas. Monsieur le Président, je présente mes excuses au nom des parties civiles parce que je crois qu'il y a un petit souci technique au niveau de la liste. Et effectivement, ces deux documents ne figurent pas sur la liste que nous avons communiquée. D'après ce que je peux vérifier, je crois que nous allons faire un ajustement peut-être et à la pause présenter.Exactement la référence de ces documents propose que peut-être nous passions à un document suivant. Donc je vous prie de me pardonner, confrère, ma liste n'est pas à jour, je le regrette, pensez-le. Toutefois, je vous ai indiqué les ERN, il était tout à fait disponible immédiatement. En tout état de cause, rien n'est inventé. L'objet de ce document, malgré tout, était de démontrer l'intérêt de M. Khieu Samphan pour le petit peuple et ses souffrances, ses conditions de vie. Je cite maintenant le document IS 4.23, ERN cambodgien, 00 53 84 anglais 00 37 33. Il s'agit du l'ouvrage rédigé par M. Khieu Samphan intitulé en français d'histoire récente du Cambodge et méprise de position. M. Khieu Samphan indique que dans ce document comment et pourquoi il a été amené à quitter Phnom Penh. Nous avançons dans le temps. Après l'opération de nettoyage autour de Samlot, continue à plusieurs mois. Dans de telles circonstances,
L'accusation lancée à l'encontre de Hunyun et de moi-même d'être à l'origine de la révolte et la menace de nous faire comparaître devant un tribunal militaire ne pouvait être prise à la légère. Nous ne nous sentions plus en sécurité à Phnom Penh. C'est ainsi que nous acceptâmes la proposition du Parti communiste du Kampuchea, SK, de partir pour nous mettre à l'abri de la campagne. La proposition nous a été faite dans une lettre qui comportait une analyse assez détaillée de la situation, de façon à nous laisser aucun doute sur les expéditeurs, d'autant plus que le messager qui nous l'avait apporté était bien connu de nous. C'était un homme respecté, à la fois par son âge et sa prévenance. Il participait activement aux rencontres organisées par l'amicale des anciens du lycée Sissora, dont nous faisions également partie. J'ai été amené à quitter Phnom Penh en 1967. Ce document tente à démontrer la continuité dans la participation et la présence au sein du Parti communiste de M. Document E3/27. Il s'agit de l'interrogatoire de M. Kyo-Sampan. ERN français 00-15-66-67 ainsi que 66-68. Il y aura deux pages. ERN anglais 00-15-67-45. ERN Khmer 00-15-66-15. À la question du juge Yubun Leng, est-ce que entre 1970 et 1975, vous êtes resté en permanence avec les dirigeants khmers rouges? La réponse fut oui, car j'avais pour fonction de m'occuper des relations avec Samdek Norodom Sihanouk. Lorsqu'a été créé le Front uni du Kampuchea, après le coup d'État de 1970, le prince Sihanouk ne connaissait ni Tamok ni Pol Pot, et j'étais le seul à pouvoir faire le lien. C'est à ce moment-là que j'ai été présenté officiellement comme le dirigeant de la résistance. J'insiste, mon titre en public était vice-président du FUNK et commandant en chef de l'armée populaire de libération du Kampuchea. J'ai été donc qualifié à partir de ce moment-là de dirigeant des Khmer Rouges. Mais cela ne correspondait à aucune réalité. Le véritable dirigeant était Pol Pot, étant précisé qu'il était plus un dirigeant politique et idéologique que militaire. Ensuite, à la question du juge Marcel Lemonde, qui était le chef militaire, la réponse, en réalité, chaque chef de zone avait sa propre armée. Ce n'était pas comme au Vietnam. Et il conclut en disant, j'ai pu voir les différents chefs de zone venir régulièrement au QG de Pol Pot. Ce document a pour objet de confirmer ce qui est déjà démontré depuis le départ, c'est qu'il n'y a aucune rupture depuis avant 1957, dans la présence de M. Kyo Sampan au sein du Parti communiste et de ses relations.
Ensuite, document IS 4.23. ERN français 00 59 54 15. Il s'agit toujours d'un extrait de l'histoire récente du Cambodge, toujours des déclarations de M. Kyusampon, de personne d'autre. Dans ce temps, les deux forces déterminantes étaient le PCK, qui a paru comme la seule valable pour mener la lutte sur le terrain, deuxièmement, le prince Norodom Sihanouk, qui, avec toute son autorité politique sur l'ensemble du pays, était décisif pour gagner le soutien international à la lutte. Aucune des deux ne pouvait se passer de l'autre. Mais comment parvenir à les réunir? Le prince aurait-il accepté de coopérer avec les dirigeants du PCK? Certainement non. C'est ici que mon origine sociale et mes anciennes relations, relativement bonnes avec les hautes personnalités du pays, me désignèrent pour servir de trait d'union indispensable. Mais pour assumer ce rôle, je devais me présenter comme étant un des importants dirigeants de la résistance à l'intérieur du pays. Pour l'avouer franchement, ce jeu m'embarrassait énormément, mais c'était un sacrifice. Je ne pouvais refuser si je voulais apporter ma contribution en conformité avec mes possibilités et ma situation à la lutte pour le salut de notre pays. Ce même document ne fait que confirmer ce qui a été précédemment dit et notamment que M. Kyusampon était le seul et unique à pouvoir tenir cette fonction et reconnu tant par le roi, mais également par les Khmer Rouges. Ensuite, je citerai la pièce E3/111. Il s'agit d'une interview de M. Yeng Sari dans le courrier du Vietnam du 31 janvier 1972. Voici la question posée. Le monde connaît bien la personnalité de Samdech Norodom Sihanouk, mais il est moins familiarisé avec les dirigeants de la section interne du groupe. Auriez-vous l'obligeance de nous en dire plus sur Kyusampon, en particulier le vice-premier ministre et ministre de la Défense? Voici donc la réponse donnée par M. Yeng Sari. Tous les leaders du FUNK et de la section interne du GRUNC sont des militants, des révolutionnaires de longue date. Grâce à leur haute vigilance, ils ont pu échapper à la répression sauvage des impérialistes américains et de la clique de Lon Nol. Monsieur Kyusampon, docteur en économie de l'Université de Paris, est très engagé dans les activités patriotiques. Depuis 1946, il a été activement associé au mouvement collégien et des étudiants du Cambodge pour l'indépendance nationale contre le colonialisme français. À son arrivée en France, en 1953, il s'est allié avec détermination à la lutte du peuple français contre la guerre colonialiste en Indochine.
Après les accords de Genève en 1954, il a dirigé en France le mouvement de lutte des étudiants et des résidents cambodgiens contre les impérialistes américains. De retour au pays, en 1958, il a poursuivi ses activités patriotiques sous différentes formes. En tant qu'éditeur de son journal L'Observateur, à la tribune du Congrès national de l'Assemblée nationale, en raison de son militantisme et du soutien dont il bénéficiait parmi les masses, il a été poursuivi par la police et exposé aux provocations, à l'intimidation, à la persécution. Au fin d'éviter d'autres conspirations similaires de la part de la clique de Londres, M. Khieu Samphan et de nombreux autres patriotes, dont M. Huyun, ont été obligés de prendre le maquis en 1967 pour poursuivre le combat aux côtés du peuple. Depuis lors, M. Khieu Samphan a vécu une période révolutionnaire des plus mouvementées. Grâce à son large champ d'apprentissage et principalement à ses états de service au Cambodge et à l'étranger, tant auprès des masses rurales que des citadins, travailleurs, ouvriers, élèves, étudiants, intellectuels, bonzes, fonctionnaires, soldats, bourgeois nationaux, à l'Assemblée nationale et au gouvernement, dans son travail légal et clandestin, ainsi que dans ses activités militaires et politiques pendant plus de deux décennies contre le colonialisme français et l'impérialisme américain entretenu par Sédaké, M. Khieu Samphan est devenu un éminent patriote d'une grande expérience révolutionnaire. Et il est tout à fait qualifié pour diriger notre guerre révolutionnaire de libération jusqu'à la victoire totale. Ce document clôt le chapitre tendant à démontrer que M. Khieu Samphan fait partie depuis avant 1953, ce n'est pas moi qui le dis, de ce cercle et œuvre de façon clandestine à mener la guerre révolutionnaire. Maintenant, je vais m'attacher à vous présenter le document E/123. Et son implication. Il s'agit de la thèse en économie de M. Khieu Samphan. ERN français 002-23-64-70. Anglais 00-75-05-27. Khmer 00 76 73. Oui, Monsieur le Président. Je reprends, ERN français 00-23-64-70. Il s'agit donc là de la première page de la thèse en économie rédigée par M. Khieu Samphan et soutenue le 13 mai 1959 à 14h. La date est importante. Ceci est rédigé avant le premier comité. Merci.
Mon objectif est de vous démontrer que depuis le début, M. Khieu Samphang déploie une volonté obsessionnelle à parvenir à la mise en application de sa thèse. Je présente donc l'histoire récente du Cambodge, IS 4.23. បាទសូមអរគុណលោកប្រធានអំបញ្ញមិញនេះតំណាងខាងដើមម្ដងរដ្ឋអូវេនីក៏លោកធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានថែទៀតម្ដងទៀតហើយហើយមែនតើសេចក្តីសន្និដ្ឋានបែបនេះមិនមែនជាទឹកដៅនៃកម្មវត្ថុនៃសាវនាការពេលនេះទេខ្ញុំបាទសូមជំទាស់ចំពោះការធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋាននេះបាទសូមអរគុណ បង្ហាញនៃចំហរជំទាស់របស់លោកមេធាវីការពារក្តីលោកខៀវសំផនសូមលោកមេធាវីទទួលសិទ្ធពីមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមនៅនេះគឺសូមជៀសវាងនៅការឈានដល់ការធ្វើរិះសន្និដ្ឋានអាចខុសគ្នាបន្តិចរវាងការធ្វើរិះសន្និដ្ឋានជាមួយនឹងកម្រិតនៃការបញ្ជាក់អំពីសារៈសំខាន់និងភាពពាក់ព័ន្ធនៃឯកសារ អញ្ចឹងបង្ហាញត្រឹមតែសារៈសំខាន់នៃឯកសារដែលនាំឲ្យខ្លួនតម្រាចដាក់ឯកសារនឹងចំពោះមុខអង្គជំរះវាមិនកុំឲ្យឈានដល់ការវាតម្លៃឬក៏សន្និដ្ឋានដោយអំបញ្ញមិញនេះអាចឈានដល់ការសន្និដ្ឋានហើយអំពីអនិច្ចខេបបត់បកតគឺបំណងយកមកប្រើប្រាស់យ៉ាងដូចម្ដេចនៅក្នុងកំឡុងពេលនៃក្រោយពេលគាត់មកធ្វើការអីចឹងនេះវាឈានដល់ការសន្និដ្ឋាន J'ai bien compris, Monsieur le Président. Et j'étais simplement en train de souligner, et non pas de plaider, la pertinence de la présentation de ce document, car je ne suis pas là uniquement pour lire. D'ailleurs, je ne suis pas un très bon lecteur. On aurait pris quelqu'un d'autre. La raison pour laquelle je vous présente et pas plus. Je ne plaide pas. Anglais 00 10 37 26 Khmer 00 10 38 12 Dans son ouvrage L'histoire récente du Cambodge, M. Khieu Samphang indique au milieu de l'année 1962, je fus élu député du Samkhum Reast Nyum, pardon pour la prononciation, dans la province de Kandal et nommé secrétaire d'État au commerce dans le gouvernement du prince Norodom. Au sein du gouvernement, j'essayais d'apporter ma contribution à la solution d'un des problèmes économiques les plus urgents de notre pays. Le déficit de la balance extérieure et le trafic de devises étrangères. Je souligne, évidemment, comme je l'avais exposé dans ma thèse du doctorat, le déficit de la balance des paiements était plutôt le reflet de l'ensemble de la structure économique du pays. Ce document est là pour montrer que, dès son arrivée, M. Khieu Samphang a pour objectif de mettre en application ses idées rédigées du 58-59. Document le même, IS 4.23, ERN 00 59 53 98. Mer 00 10 38 22. Anglais 00 10 37 35.
Monsieur Kyesampan indique est-ce une conspiration le fait d'imprimer le souhait de voir le Cambodge parvenir à un certain progrès économique et social et retrouver ainsi sa dignité nationale. Alors que je préparais ma thèse de fin d'études, je nourrissais l'espoir de voir l'initiative des réformes indispensables pour de tels progrès venir d'en haut. Et lorsque j'appris que la charge de procéder aux réformes proposé dans le plan que j'avais soumis au prince chef de l'État, était confié à son Altesse Son San, la porte me sembla ouverte pour que notre pays puisse avancer dans le sens suggéré en conclusion de ma thèse. Vous suivez certainement le fil de ma pensée qui est de démontrer cette obsession à l'application de la thèse. Même document IS 4.23. ERN Khmer 00 10 38 15 00 10 38 16 anglais 00 10 37 29 00 10 37 30 français 00 59 53 87 00 59 53 88 par l'intermédiaire de Son San, alors président de la Banque nationale, je soumis donc au prince chef de l'État un plan de réforme économique tendant à la nationalisation du commerce extérieur des principaux produits, caoutchouc, riz, maïs et des banques cambodgiennes connues pour leur activité au service de la spéculation. Certes, ce n'était que des mesures partielles, mais elles s'avéraient, à mon avis, nécessaires en vue de parer au plus précis, en attendant que nos dirigeants d'alors se convainquent de mesures complémentaires dans le sens que j'avais suggéré en conclusion de ma thèse. Se pose donc alors la question de quelles sont les idées développées dans la thèse. Document ERN cambodgien 00 76 73 92, anglais 00 75 06 07, français 00 23 65 82. Je lis. Nécessité d'un vaste programme de réforme structurelle. À notre avis, l'essentiel des mesures à prendre ressemble plus à un programme politique et social se proposant de détruire les relations économiques anciennes précapitalistiques. Nous ne proposons pas de faire disparaître les classes qui détiennent le revenu dominant. Nous estimons qu'on peut et qu'on doit chercher plutôt à dégager leurs possibilités contributives en cherchant à transformer ces propriétaires fonciers, ces commerçants intermédiaires, ces usuriers en une classe d'entrepreneurs capitalistiques, agricoles ou industriels. On cherchera donc à les détourner des activités improductives et à les amener à la production.
Mais pour opérer une si profonde transformation, on ne peut pas se contenter de mesures isolées, du début tout au moins. Un ensemble de mesures très sévères nous paraissent absolument nécessaires. Et dans cet ensemble de mesures figure en premier lieu celle qui concerne les relations avec l'extérieur. Nous lisons là une réforme qui nécessite des mesures sévères. Même document, E323, ERN Khmer 00-76-73-59 et -00-76-73-60-00-75-05-85. Il s'agit de la distinction des personnes considérées comme productives et improductives. Ainsi, sont considérés à Phnom Penh comme improductifs les coiffeurs et les cyclopousses. Je lis. En ce qui concerne Kampong Cham, les activités improductives sont tailleurs, tireur de bicyclette à remorque. Enfin, monsieur Sampan écrit, une organisation rationnelle de la société doit donc tendre vers la compression des activités improductives pour occuper le maximum d'individus dans les activités productives. J'ai cherché les religieux improductifs ou improductifs, je ne les ai pas trouvés. Même document. ERN 00-76-74-45-00-76-74-46. Anglais. 00-75-06-38. Français. 00-23-66-48. Il s'agit de la section 2, intitulée « Réforme de structure à la ville ». La restriction importante des biens de consommation. C'est l'action de l'État pour stimuler la production, restriction des importations des biens de consommation et l'augmentation relative du niveau de vie de la masse de la population. Petit deuxièmement, on lit, il faut favoriser et encourager le groupement en coopérative de production. Troisièmement, créer des entreprises d'État nouvelles. Et M. Kusampan précise, seules les entreprises que l'État possède dans différentes branches de production peuvent constituer un véritable levier sans lequel il est impossible d'assurer le rôle de direction, d'orientation et de protection publique des dévoués. Même document, ERN 00-76-74-30, Français 00-75-06-30, Français 00-23-66-30. Je lis, bien que nous estimons
qu'il soit nécessaire de procéder à une réforme agraire comportant une redistribution des terres, nous sommes d'avis que la mobilisation productive de la rente foncière ne sera possible que par voie d'autorité, surtout au début. Vous retrouvez là l'ensemble des fondements de ce qui est mis en œuvre. E3/23, même document. ERN Khmer 00 76 74 53, anglais 00 75 06 42, français 00 23 66 55. Il s'agit là des passages concernant l'industrie. Industrie pharmaceutique. Dès maintenant, nous sommes en 58-59. Dès maintenant, le Cambodge est en mesure de fabriquer lui-même certains produits pharmaceutiques à partir de plantes médicinales existantes. Pour ces produits, les installations demandent des capitaux énormes et elles peuvent être immédiatement rentables. Même document, ERN Khmer 00 76 74 47, anglais 00 75 06 39, français 00 23 66 50. Poursuite dans le développement des idées concernant l'industrie. Extraction de l'acide benzoïque de l'urine des vaches. Cet exemple peut paraître surprenant, simplement pour les enfants qui ont tout ramassé dans les campagnes, ça veut dire beaucoup. Même document. 00 23 66 43, je lis. Il s'agit d'élever le niveau de vie de la masse des petits paysans afin de trouver un marché suffisant pour la nouvelle industrie. Pour ces raisons, le gouvernement doit s'efforcer de mobiliser les masses paysannes pour l'entraide mutuelle, d'organiser des coopératives de ravitaillement et de consommation et d'appliquer une politique planifiée du crédit agricole et enfin d'habituer peu à peu les paysans à la coopération. Il s'agit de généraliser systématiquement cette pratique. L'entraide peut être d'abord réalisée pour un travail déterminé, puis généralisé, peut devenir permanent et servir à la constitution de coopératives de production dans les villages où l'expérience a été concluante. À partir de ces points de départ, les coopératives de production ou la coopérative de production pourra s'étendre de façon centrifuge. Cet effort pour organiser de plus en plus rationnellement la production doit être soutenue moralement, techniquement et financièrement par l'État.
C'est ainsi qu'avec les moyens techniques, sensiblement de même ordre, que jusqu'à maintenant, on peut obtenir une augmentation importante de la production et libérer progressivement une partie de la main-d'œuvre qui sera utilisée pour faire fonctionner de nouvelles industries. Même document, ERN Khmer 00-76-74-42. Anglais 00-75-06-36. Français 00-23-66-44. Nous avons pu constater qu'il y a une tendance à l'augmentation du nombre de travailleurs par hectare de terre. Jusqu'ici, cette tendance est partiellement masquée par l'existence de superficies facilement cultivables. Cependant, avec la poursuite de l'intégration internationale, et le renforcement consécutif de la structure semi-féodale à la campagne, cette tendance ne peut que s'accentuer. Il est vrai qu'il existe encore 20 millions d'hectares de terres cultivables. Cependant, 14 450 000 hectares de plaines intérieures estimé cultivable et non encore cultivé demande tout de même à être défriché et irrigué avant d'être prêt à la culture. Sur les 550 000 hectares de la région, des berges et de l'arrière-berge, il existe environ 200 000 hectares d'étangs ou de bangs et de terrains marécageux sur son pourtour, 200 000 hectares argileux situés dans l'arrière-pays. Ces terres étant en outre tardivement découvertes au moment de la décrue et les premières couvertes par la crue du Mékong. Les cultures de saison de pluie, maïs, tabac, arachides, y sont d'autant plus aléatoires qu'elles sont faites sur les terres les plus basses, inondées plutôt que les autres. Ces terres demandent donc à être protégées par des digues et à être comblées par des travaux de colmatage. Or, les paysans isolés, précipités sur les chemins de la ruine par l'intégration internationale du pays, ne sont pas en mesure de coloniser ces terres, laissées jusqu'ici incultes. La restriction de l'intégration internationale, la réduction de la rente foncière, seront de nature à réveiller cette énergie dormante. L'organisation méthodique de cette énergie, on parle là des paysans, d'abord en équipe d'entraide et progressivement en coopérative, sera de nature à décupler son efficacité et permettre de défricher de nouvelles terres, de les irriguer, d'en délivrer de l'inondation. Ainsi, de nouvelles terres pourront être dégagées sans bouleverser la technique actuelle et par conséquent sans absorber trop de capitaux qui pourront être utilisés pour développer l'industrie de base. C'est sur cette base que pourront être augmentées considérablement la production de riz pour alimenter
l'augmentation de la consommation des paysans et enfin l'augmentation de l'exportation. Juste pour replacer et pour justifier la pertinence de la présentation de ce document, sans que ce soit une plaidoirie, j'ai juste souligné les mesures économiques et réformes structurelles auxquelles M. Pieux Sampan attachait tellement d'importance, comme il l'a indiqué dans son livre, et qu'il voulait voir en mise en application. Je pense que maintenant, il pourrait être diffusé deux extraits de vidéos qui m'adresse au service technique à l'extrait 3 et 4 bis. Il n'y a pas de 4, il y a le 3 et 4 bis. Pardonnez-moi, est-ce que j'ai été compris? Je ne sais pas. Les numéros. J'ai pas les numéros, je connais pas. ខ្ញុំនៅរៀនខ្ញុំធ្វើនិក្ខេបបទខ្ញុំលើកសម័យចាំបានជន់របត់មួយដែលមិនស្មានដល់ថាប្រប៉ុណ្ណឹងទេកាលជន់របត់មួយដែលរីចម្រើនផលស្រូវវាឡើងវាត្រូវតែមានការកើនឡើងប៉ុន្តែខ្ញុំមិនយល់បីតាមបីអីទេខ្ញុំគិតថាឲ្យបានការកើនឡើងបើថានៅមកតនអញ្ចឹងវាអត់គ្រប់ទេ mình sẽ xa ngọn tránh mình sẽ xa ngọn tránh vì thầy đã lưu vì nó bạn bà xa ngọn tránh bạn bà miền tốn tới co sang và tiết il doit s'agir d'une erreur car je ne retrouve pas car je ne retrouve pas ce qui a été communiqué, ça ne correspond pas à ce qui a été dit dans les extraits 3 et 4 bis. Cela semble poser un problème. Peut-être que pendant la pause, je pourrais faire un point avec les services techniques et les montrer autour de la pause, M. le Président. វីដេអូដែលលោកមានបំណងនៅក្នុងការស្នើសុំបង្ហាញហើយនឹងសុំបង្ហាញអត្តសញ្ញាណនៃវីដេអូនោះឲ្យបានច្បាស់ដើម្បីអង្គជំរះធ្វើការបង្កប់បញ្ជាទៅខាងផ្នែកសំឡេងនិងរូបភាពនៃខាងសត្វទោះដើម្បីឲ្យគេរៀបចំដាក់បញ្ចាំងនៅលើអេក្រង់ទូរទស្សន៍ Bien sûr, Monsieur le Président, et je peux le faire immédiatement. Il s'agit donc d'interview de M. Pieux Sampan, dans lequel, mené par Roshan Saidanata, le film est intitulé l'important c'est de rester vivant. Roshan
est resté de nombreux jours ban, chez M. Kyosampan et l'a interrogé. Et dans les deux passages que je vous propose de diffuser, et bien, M. Kyosampan revient sur les idées de sa thèse, sur ce qu'il a vu dans la campagne, et il conclut en disant que ce qu'il a vu, c'était exactement sa vision. Donc, c'est pour que, selon les dires de M. Kyosampan, vous constatiez qu'il y a une constante chez lui, c'est de voir mettre en application ce qu'il avait proposé dans sa tête. Et c'est simplement ce que nous avons dit. C'est une idée, oui. C'est une idée, oui. ខ្ញុំគិតថាមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេហើយសូមឲ្យមេធាវីដើមដឹងរដ្ឋប្រវេណីចង្អុលបង្ហាញអំពីឈ្មោះឯកសារនៅក្នុងសំណុំរឿងនេះផងតើតើឯកសារនេះវាខ្សែវីដេអូនេះជាឯកសារដែលបានទទួលស្គាល់នៅក្នុងសំណុំរឿងនេះហើយឬមួយក៏ឯកសារវីដេអូដែលលោកទទួលមកពីខាងក្រៅបាទសូមអរគុណសូមចេញលោកមេធាវីតំណាងដើមដឹងរូបនេះអាចបញ្ជាក់បន្ថែមលើចំណុចនេះតាមសំណើសុំរបស់មេធាវីការពារក្តីបានដែរទេអឡរ il s'agit du E109/2/3R Je précise que ces vidéos ont été communiquées il y a très longtemps, que c'est un film qui a été diffusé en France, au Canada, a eu de nombreux prix. Et pour ôter tout stress chez mon confrère de la Défense, et pour informer préalablement la Cour, je précise que je demanderai la possibilité de diffuser deux autres passages à la fin de la présentation, car il y a une logique dans la présentation du document, et que ces deux autres extraits, l'un sera toujours ici du même film, de Roshan Sainte-Marta, et l'autre sera issu du film présenté hier par le service de la procureure, à savoir de M. Aronovitch. Mais toute ma présentation suit une logique.20នាទីចាប់ពីពេលនេះតទៅរហូតដល់ម៉ោង11ខ្វះ10នាទីសូមអញ្ជើញចូលវិញដើម្បីបន្តសកម្មភាពសូមអញ្ជើញលោកមេធាវីការពារក្តីលោកអៀងសេរីសូមអរគុណលោកប្រធានសូមគោរពលោកប្រធាននិងលោកលោកសេនចៅក្រមដោយសារបញ្ហាសុខភាពជាពិសេសបញ្ហាឈឺចង្កេះលោកអៀងសេរីមិនអាចទ្រាំអង្គុយនៅទីនេះតទៀតបានលោកស្នើសុំលះបង់សិទ្ធិក្នុងការចូលរួមផ្ទាល់ក្នុងបន្ទប់សាវនាការនេះតែសូមចូលរួមដោយប្រយោលនៅបន្ទប់រងចាំខាងក្រោមសម្រាប់រយៈពេលមួយថ្ងៃនេះស្រ័យហេតុនេះសូមលោកធានមេត្តាអនុញ្ញាតឲ្យយើងនឹងដាក់ពាក្យតាមតម្រូវសូមអរគុណបាទអរគុណលោកមេធាវីអង្គជំនះបានស្ដាប់ដំណើរសុំរបស់ជនរត់ចោតយើងទ្រីដែលបានធ្វើឡើងតាមរយៈមេធាវីក្តីការពារក្តីរបស់គាត់ដែលស្នើសុំមិនចូលរួមតាមដានកិច្ចដំណើរការសម្ដានការដោយផ្ទាល់ក្នុងបន្ទប់សម្ដានការនេះដោយសូមដកខ្លួនថយទៅតាមដានកិច្ចដំណើរការសម្ដានការពីចម្ងាយតាមប្រព័ន្ធសោទស្សន៍ពីបន្ទប់មួយនៅខាងក្រោមបន្ទប់សម្ដានការនេះដោយមូលហេតុសុខភាពអង្គជំរះយល់ព្រមតាមដំណើរសុំរបស់ជនជាប់ចោតយើងទ្រីដែលបានធ្វើឡើងតាមរយៈមេធាវីរបស់គាត់ដោយក្នុងការលះបង់សិទ្ធិចូលរួមក្នុងកិច្ចដំណើរការសម្ដានការដោយផ្ទាល់ក្នុងបន្ទប់សម្ដានការនេះ
từ bản to tam nan cây chấm nà ca sạm nà ca pi chấm ngái pi bản to mũi thần nực rau bản to sạm nà ca ní không lòng pi phơ sạm nà ca sầm rập thằng ngày ní ông yểm ra hàn bờ cầm bị tivi ca pi cái đây lục yên tử lý bực cùm ông yểm ra nơi để khất lẽ bằng sắt chầu rùm sạm nà ca đại tuấn đại miền hạ tử lệ khá rư nam đất đất miền đại chiết chấp pi lục yên tử lý nương bằng cọp ông phái sáu tua tọp cho bờ quan sáu tua sầm lầy rụp hiếp sầm rập chấm chập chao trùng ní tam đan cái chấm nà ca sạm nà ca pi chấm ngái không lòng pi sạm nà ca sầm rập ngày ní bực cọp ông anh nội đệ thì không khang nòm lục yên tử lý từ căn bản tục hàng cống đại màn điệp chấm tục nương bằng cọp sáu tua sầm rập quan sầm rạ cho Some change, Grouchard.